Cela fait 3 mois que la République démocratique du Congo assume avec éclat la présidence de l'Union africaine. Nous faisons de notre mieux pour assurer le leadership en ces temps difficiles, mais aussi porteur d'espoir pour l'Afrique et le monde entier. Étant consciente du rôle géostratégique important qu'elle joue pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, c'est avec humilité et détermination que la République démocratique du Congo rappelle au monde qu'elle se situe au cœur de l'Afrique et au cœur de l'Afrique centrale et à la jonction des 4 Afriques du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Avec ses richesses et sa population, la République démocratique du Congo dispose de tous les atouts, tant naturels qu'humains, lui permettant de devenir un moteur pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. La conservation de ses forêts tropicales est d'une importance vitale pour le climat mondial. J'ai l'honneur de réaffirmer la candidature de la République démocratique du Congo pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023. En tant que membre élu du Conseil de sécurité des Nations Unies, la RDC défendra fermement l'efficacité et l'égalité. Mon pays soutiendra et fera pression pour des consultations 3+1 inclusives et significatives entre le Conseil de sécurité, le secrétariat des Nations Unies, les pays hôtes des opérations de maintien de la paix, ainsi que les pays contributeurs de troupes et de police, pour assurer l'unité des forts et un engagement commun envers les mandats de maintien de la paix.